Bonjour, je m'appelle Safeya. Je travaille au service du budget finance depuis 2011 au sein du Parlement de la Fédération Uni-Bruxelles. Ma fonction au sein de cette cellule est d'assurer la gestion budgétaire et financière du Parlement. Alors là, vous allez me dire, ça reste relativement assez vaste. En fait, il est essentiel de permettre à notre institution de fonctionner de manière efficiente et optimale et d'atteindre les objectifs fixés. Tout ça, bien évidemment, en adéquation avec notre plan stratégique. Alors concrètement, nous travaillons selon le cycle budgétaire qui se compose de trois phases, à savoir l'élaboration du budget de fonctionnement, son exécution et la clôture des comptes annuels. Si on part donc de l'élaboration du budget, on peut dire qu'à ce moment-là, dans cette phase-là, nous avons déjà une vision très précise de l'ensemble des projets et des investissements qui vont être menés au cours de l'année suivante. Donc en ce qui concerne l'exécution du budget, nous veillons au respect des normes budgétaires et à l'application des procédures internes en matière de dépenses. Ainsi, nous voyons passer tout type de demandes d'autorisation de dépenses, aussi variées les unes que les autres. Et nous sommes amenés à vérifier donc la disponibilité des crédits, le respect de passation des marchés publics, tout ça en collaboration étroite avec la cellule juridique. Et donc par exemple, on peut voir passer une demande d'engagement pour l'acquisition d'un ouvrage littéraire sur la démocratie ou le remplacement des interrupteurs d'éclairage par des détecteurs de présence. Ça passe aussi par l'acquisition peut-être de poubelles dans le cadre du tri sélectif. Donc comme vous pouvez le constater, on est vraiment confronté à une multitude de dépenses et pour ainsi dire, on est au courant de tout. Alors il faut aussi savoir que nous sommes fréquemment sollicités par les autres services pour émettre des avis, donner des conseils dans le cadre de nouveaux projets. Il faut dire qu'on est vraiment définitivement orienté solution. Et on est aussi amené fréquemment à transmettre des données, des rapports chiffrés, des statistiques, des balances comptables. Nous assurons également la gestion de trésorerie et le suivi de processus de paiement, à savoir les salaires, les indemnités, les factures fournisseurs. Et donc, par ce biais, nous voyons donc l'évolution et l'état d'avancement des projets en cours. Comme vous pouvez le constater, la cellule budget finance est vraiment au cœur du Parlement. Donc nous bénéficions vraiment d'une vue transversale de l'administration et d'une connaissance approfondie de son fonctionnement et de son évolution, source de motivation pour moi qui est vraiment essentielle au quotidien. Alors quand je dis évolution, c'est tout simplement les évolutions techniques qui est à l'heure actuelle, avec un clic, les paiements sont réalisés à la vitesse de l'éclair.